0,05 mm. Non mais comment ils peuvent déjà mesurer aussi précisément quoi? Y a-t-il une marge d'erreur dans ces mesures en plus? Non mais franchement. Non mais déjà 1 mm, c'est tout petit. Là c'est 0,05, d'accord? On relativise bien là. Donc effectivement, je comprends quand Hamilton dit que ça ne change rien à la perf en fait, parce que 0,5 quand même, c'est vraiment rien du tout quoi. C'est juste un scénario malheureux, 0,5 mm de défaillance de la planche, ça ne fait pas une différence entre victoire et une défaite. Ce n'est donc pas à cause de cette erreur que nous sommes allés si vite. Quelle blague, putain! Non mais là, c'est quand même de l'acharnement envers Mercedes, désolé, hein. C'est 1/20 de millimètre en fait, c'est 20% d'un millimètre. Franchement, est-ce qu'il y a une marge d'erreur dans leur mesure là? Parce qu'on peut se poser la question, hein. C'est tout petit, hein, franchement là. Bref, je trouve ça vraiment navrant et tellement abusé quoi, au final. Mais bon, c'est la FIA, hein. Après, on va encore dire non, non, ils sont pas pro Red Bull, ils veulent pas les faire gagner absolument, mais bon, là, ce qu'on remarque, c'est qu'au final, Mercedes et puis Ferrari sont les plus contrôlés, et Red Bull, non. Je vous laisse commenter.